Bonjour et bienvenue sur OTV. Voici vos inforoutes pour cette semaine. Dans le secteur ouest, sur la RN1A à Saint-Paul, dans le secteur du Cap Laoussé, des travaux d'essai de sondage sur la falaise sont prévus jusqu'au vendredi 1er décembre. La route sera fermée dans les deux sens entre le cimetière marin et Boucan-Canotte de 9h à 16h. Pendant la période de fermeture, une déviation sera mise en place par la RN1 route d'état marin dans les deux sens de circulation via la RD10 route du théâtre et les échangeurs de la RN1. Pour les usagers interdits de circuler sur la route des Tamarins, un aménagement sécurisé sera possible au droit du chantier pour permettre leur passage sur le Cap Laoussé. Dans le sud, sur la RN3 à Saint-Pierre, travaux de pose de portique, les nuits du lundi 27 au jeudi 30 novembre inclus, route fermée dans le sens montant et déviée par la voie Canière. La bretelle de sortie vers le centre-ville de Saint-Pierre sera également fermée dans le sens descendant de 20h à 5h. Sur la RN5 route de Sillaos, travaux de purge de falaise prévus du lundi 27 novembre au vendredi 1er décembre. Des coupures de la circulation de 45 minutes seront à prévoir de 7h30 à 16h30. Ces travaux vous seront confirmés ultérieurement. Dans le secteur est, sur la RN2002 à Saint-Benoît, secteur La Cabane, travaux d'élagage et de purge de la falaise jusqu'au mardi 19 décembre. La circulation sera alternée de 8h30 à 15h30 et la vitesse limitée à 50 km/h. Et dans le secteur nord, sur la RN1 route du littoral, pour permettre des travaux de pose de tétrapode et de passage de voussoir, la circulation sera basculée en mode bidirectionnel sur les voies de la chaussée côté montagne entre Saint-Denis et la Possession de 20h30 à 5h les nuits jusqu'au vendredi 1er décembre. Par ailleurs, le boulevard U2 sera fermé dans le sens ouest-nord. Une déviation sera mise en place par l'intersection RN1 RD41 route de la montagne et dans le sens nord-ouest, l'accès à la route du littoral se fera uniquement par la RN6 Pont Vinsane. Retrouvez toutes les informations utiles sur les chantiers sur le site infotrafic.re et sur le serveur Audiotel au 02 62 97 27 27. Bonne route à tous.